J'écris, alors j'ai vraiment pris la décision d'écrire de la poésie, de devenir poète, c'était en 99, vraiment avec une sorte de déclic, genre bon, ok, je veux écrire, ce qui voulait dire pour moi écrire, faire des livres de poésie et chercher à être édité. Donc c'était en 99. Donc, voilà, d'être poète, c'est une manière de partager, parce que bien sûr, parmi vous, comme parmi la majorité des gens, il y a peu de lecteurs de poésie, très très peu, voire pas du tout. Et donc, je trouve que c'est intéressant finalement de la faire passer différemment. Que le côté, par exemple, bizarre ou abstrait, ou pour pas dire illisible de ce que vous pouvez ressentir, je ne sais pas, dans un livre comme ça, éventuellement, que ça devienne, après la rencontre, ça soit un petit peu plus normal, entre guillemets, en tout cas plus naturel, que ça me semble quelque chose de « ah oui, il n'est pas si fou que ça », ou s'il écrit ça, c'est qu'il y a des raisons, etc. J'aime bien explorer des choses différentes, aller dans des directions très différentes. Et j'aime bien, quand j'ai fait un livre donné, ne pas me répéter, en tout cas essayer de ne pas me répéter. Bien sûr, il y a des choses qui doivent revenir, on reste soi-même, mais justement, formellement, on va dire, avec les structures, les règles que je me donne, ça m'amène dans d'autres directions. Donc, si tu veux, à chaque fois, c'est... Et ça passe beaucoup par les formes poétiques, par des structures, des formes poétiques. Qui existe préalablement, enfin que j'invente, qui existe préalablement. Le sonnet, ça existe depuis à peu près le 12e siècle, c'est dans la Sicile et c'est remonté dans toute l'Europe. Explorer comme ça les potentialités de différentes formes, essayer d'inventer des formes poétiques, ça m'arrive aussi, et explorer, que ce soit en prose, en vers, avec des rimes, sans rimes, avec l'idée de produire des choses qui soient des poèmes, qui sont des sortes d'objets un peu. Conceptuel, des choses qu'on a, voilà, des objets quoi, mentaux, quoi, qui ne sont pas solides, mais qui sont un peu comme des choses qu'on peut regarder sur plusieurs angles. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, en même temps, c'est pas très long, on tourne autour de quelque chose, on a des images, personne n'est sûr exactement du sens que ça peut véhiculer. Moi, ça m'intéresse qu'il y ait plusieurs sens de lecture possibles. J'aime pas essayer d'inventer sa propre langue, en fait. Ce qui rend la poésie, de manière générale, difficile. Même moi qui suis un gros lecteur de poésie, quand j'achète le livre de quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, ben il me faut un temps pour entrer dans un livre et quelquefois je ne comprends pas tout de suite, même si c'est quelque chose qui me plaît. Hein. Bon, si ça ne me plaît pas, je peux très bien, j'essaie de comprendre pourquoi ça ne me plaît pas et ça, c'est simple. D'autres fois, c'est évident, ça me plaît, mais quelquefois, il y a des livres qui me résistent et j'aime bien finalement l'idée qu'un livre, ce n'est pas quelque chose qui est tout cuit, c'est pareil pour toute forme d'art. Hein. Je ne sais pas, il y a des films des fois qui me résistent un petit peu, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressants. C'est juste que. Voilà, il faut trouver la manière d'entrer dans l'œuvre et moi ça me fait ça, même en tant que lecteur de poésie de manière très régulier, un poème ou même un ensemble de poèmes que je... Mais bon, je ne comprends pas, puis tout d'un coup, il y a une sorte de déclic. Et voilà, c'est un plaisir aussi de découvrir des possibilités du langage. Il y a un jeu qui est aussi par rapport à la poésie, c'est jouer avec des images un peu classiques, des mots qu'on utilise souvent dans la poésie et des mots qu'on n'utilise pas dans la poésie. Par exemple, là où je fais rimer, par exemple, nuage avec cabine de pilotage. Parce que finalement, c'est une sorte de nuage, voilà un objet poétique, on va dire nuage, fleurs, soleil, automne, vent, etc. C'est des choses qu'on trouve souvent dans la poésie. Cabine de pilotage, dans la poésie, on le trouve moins. Et ça m'intéresse du coup. Et c'est du coup de créer des sortes de chocs un petit peu comme ça. Et en même temps, c'est la rime qui permet de générer ça. En fait, je sais même qu'il y a de la poésie pour... Pour chacun d'entre vous, par exemple. Pas la mienne, je veux dire, mais des choses qui, tout d'un coup, vous allez entendre quelqu'un, vous allez lire quelque chose, vous allez dire « Ah ouais, c'est vraiment chouette, c'est surprenant, voilà. » Et c'est pas forcément des choses que moi j'aime ou que d'autres vont aimer. Simplement, quelles sont les chances que vous rencontriez le poète qui va vous plaire, ou la poète qui va vous plaire. À partir du moment où il y a peu de choix qui s'offrent à vous, finalement, comment se faire son goût en poésie si on n'est pas en contact avec la poésie. C'est difficile. Je cherche à voir ce que je peux faire avec les mots. Finalement, il n'y a rien d'autre que ça. Et en même temps, d'essayer de parler de moi aussi et de mon rapport au monde, des choses qui arrivent.